bien, salut tout le monde, on se retrouve pour la suite de Outlast 2. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Écoutez-moi perso les amis, ça va super, ça va nickel. On continue du coup Outlast 2. Toujours un petit peu stressé, je vous l'avoue, hein, parce que on n'a pas... Dans le dernier épisode, c'était un petit peu l'enfer par ici. Oula, 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 oula. Oula là, oula là, oula là. Allez, 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 allez. Ferme, ferme, ferme. Verrouille. Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok, donc déjà j'ai compris, il faut que je fasse ça. Allez, 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 allez. Ok, je peux y aller. Vite, 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 vite. Oh les gars, franchement, ce sentiment intense de stress. Oula, qu'est-ce qui se passe par ici les gars? C'est Jean? Non, c'est pas Jean quand même. Eh bien, il y a beaucoup de choses à récupérer sur, ici, quoi. Incroyable. Ok. Donc, je pense pas qu'ils peuvent venir jusqu'ici. De toute façon, j'ai fermé la porte, au cas où. Hein, donc, honnêtement, je pense pas qu'ils peuvent venir jusqu'ici. Je suppose que c'est ici que la magie opère. Des chaises pour un public. Je l'ai seulement vu par la suite. Je n'aurais pas pu. En vrai, je pense qu'on ressort vivant. On ressort vivant d'ici. Moi, je vais vous dire pourquoi on ressort vivant d'ici, les amis. Tout simplement parce que notre personnage commente au-dessus des vidéos. Je n'aurais pas pu, machin. Forcément, c'est qu'il a encore en vie après. C'est quoi ces conneries? What? Ok. Note à moi-même, ne pas tomber. Ah, merde. Ah, parce que si on tombe... Ok, non, mais les gars... Le chemin est trop long là, il va se passer quelque chose. On va faire genre... Oh, on va tomber, mais en fait pas du tout, c'est ça? Je pense que ça doit être ça. Ah non, en fait non. Pas du tout en fait. Oh là là. Bon ok, on peut passer ça, voilà, nickel. Oh les gars, j'ai trop peur, ça fait trop peur. Ok, alors... Mince. Alors... Dieu sait ce que j'ai fait et il me force à y poser les yeux lorsque je suis faible et j'ai peur. Ce n'est pas ma faute si Judas ne savait pas nager, ni qu'il éprouvait du désir pour moi. Je l'aurais sauvé si j'en avais eu la force. Je ne te doute pas, Dieu, mais épargne-moi la souffrance de ces rêves forcés, même quand je ne dors pas. Je ne peux pas supporter de le voir et revoir se noyer. Accepte ma mort comme pénitence, car j'ai encore été engrossé par Papa Note et j'éprouve des douleurs telles que je n'ai jamais connues. Le bébé dans mon ventre doit certainement être le démon et l'origine des cauchemars, des agonies qui m'emplissent. Je suis tienne. Ok, donc Papa Note, il couche avec tout le monde. Quoi. Lui, c'est... Avec toutes les femmes qu'il trouve, il couche avec. Putain, le Don Juan, quoi. Mais je sais pas ce qu'il fait pour tous les avoir dans la poche. C'est un truc de fou, hein. Comment fait-il pour que tout le monde laisse ses enfants coucher avec Papa Note? Le seul qui s'y est opposé, bah il est mort. Hein. Et nous, pour le moment, on laisse notre femme avec soit le bébé de Papa Note, soit nous. Mais en fait, la dernière fois, elle parlait de l'étranger. Comme quoi, à cause de ma semence, on aurait mis, enfin, on va mettre au monde un bébé démon, enfin le démon quoi. Mais est-ce qu'elle parlait réellement de nous? Ou est-ce qu'elle parlait de Papa Note? Je me pose la question. Il est dans la maison! Non! Ah! Je dois faire quoi? Ah, je dois monter! Ok. Ok, 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 ok. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh, vite. Oh, trop bien, j'ai glissé. C'est le mec. Faut que je fasse quoi là? Faut que je saute? Ok, j'ai sauté. J'ai sauté. Je sais pas par où je dois aller, mais en tout cas j'y vais. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. On y va, on court, les amis. C'est pas le moment. Ok, on passe par en dessous. On passe par en dessous. Vite, avant qu'il m'attrape les pieds. J'ai peur qu'il m'attrape les pieds. Vite, avance. Avance, avance, avance. Il est derrière moi. Il est derrière moi. Vite, 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 vite. J'ai peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Allez, 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 allez. Oh, il est juste derrière moi, mais il est juste derrière moi, les amis. Oh, oh, vite, vite,
Vite, avance. Oh, s'il me met un coup de fourche dans la tête, je suis mort. Il va me mettre un coup de fourche dans la jambe. Avant que je reparte. Avant que je parte. Ok, on court, on court, on court, on court. Je pense qu'il faut que j'aille là. Ok, interagir avec le gauche. Allez, 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 interagis mon gars. Allez, vas-y, c'est pas le moment. Oh, je suis tombé quelque part. Ah, ah, ça m'a fait mal. Allez, 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 allez. Allez, 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 vas-y. C'est pas le moment, mec. Allez, oula, 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 oula. Faut faire quoi? Faut faire quoi? Faut que j'aille là? Ah oui, entrez. Est-ce que je peux... Non, c'est bon. Y'a pas une pile? Oh, wow. Oh my god. Trop stressant. C'est trop stressant. Ce jeu, les amis, quoi. Mais what the fuck? Puis y'a même pas une petite pile juste pour nous récompenser de d'avoir survécu à ça. Putain. Une pile, s'il vous plaît. Putain, mais y'a pas de pile, y'a pas de pile. What? Pourquoi mon truc il bug? Pourquoi tu bug? On va fermer ça. On va essayer d'ouvrir ça, c'est bon, ça ouvre. Ah, un petit papier. Le papier est précieux, toute utilisation autre que la copie de l'évangile de notes doit être réalisée avec l'autorisation d'un diacre. Le vol ou la perte de papier sera puni jusqu'à 100. Jusqu'au 100. Ah ouais. Ah, ça rigole pas chez Papa Note, hein. Le papier. Si on vole du papier, genre, pour dessiner, on nous martyre jusqu'au sang. Mais ça rigole plus. Je pense que ça a jamais rigolé, de toute façon, chez Papa Note. Hein? Est-ce que vous connaissez un petit peu ce que c'est l'humour? Non, je ne crois pas. Ah, c'est quoi, je dois prendre... Ok, on va rester comme ça. On va pas bouger. Est-ce que je peux enlever? Ouais, c'est bon. On va pas bouger, on va prendre ça en vidéo. Eh, franchement, ce jeu est grave stressant. C'est quoi ce bordel? What? Attendez, on va juste regarder la vidéo. Aller au ciel. Oh mon dieu. Avant qu'il tue les enfants. Tu aurais dû m'aimer. Je... Mais qu'est-ce que je fais? Ah mais attendez, j'ai... Il y a un papier que j'ai pas lu. Ah bah oui, c'est normal. Celui-là, c'est normal. Vu que, voilà, ok, c'est bon. Par contre, juste... ah. Putain, j'ai raté plein de trucs, mais bon. Tant pis, c'est pas grave. Rejoindre la chapelle, c'est toujours ça mon objectif principal. Ah, je vous le rappelle. Notre but premier, rejoindre la chapelle. Combien j'ai de... Oh putain, il me reste plus que deux, quoi. Il me reste plus que deux petites piles. Ah, j'en avais quatre, voire cinq avant. Il me reste plus que deux. Hein. Plus celles que j'ai déjà. Donc en gros, à peu près trois, quoi. Mais bon, c'est quand même pas terrible. C'est pas terrible. Y a pas une petite pile quelque part? Sans déconner, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Ça... Eh bah, je crois que c'est par là qu'il faut aller, mais bon. On va quand même regarder un peu autour pour voir s'il n'y a pas une petite pile dans le coin. Non, il n'y a que dalle. Bon. Bah écoutez, on va monter, hein. Peut-être là. Une pile, s'il vous plaît. On pourra faire la cuisine, c'est bien. Moi je reste là les gars, je pars plus d'ici. Peut-être une pile dans le coin là. Non. My god, on va plus retrouver de pile avant je sais pas combien de temps, je le sens. Imaginez ceux qui ont déjà plus de pile. Truc de fou quoi. Ils auront plus rien. Objectif, les enfants ne doivent pas craindre leur devoir mais célébrer comme un accès garanti au paradis.
Souvenez-vous, il n'y a pas de douleur au paradis. Papa vous a donné la vie et votre vie lui appartient. Dieu vous a donné la vie et votre vie lui appartient. Vous pouvez être l'ennemi, vous pouvez être l'ennemi et ne pas le savoir. Votre peur est un outil de l'ennemi. Dieu sait tout. Engagez-vous à étudier. La baleine a empêché Jonas de se noyer. Jésus dans le désert avec Satan. Abraham a tué Isaac en son cœur. Projet dessiner des anges. Qui peut être l'ennemi? Ok. D'accord. On apprend tous les jours. Ah ! Ok. On va se soigner. A chaque fois, on met un bandage au même endroit qu'on avait un bandage. Mais le bandage a disparu. Donc finalement... Ah, une pile! Non, un papier, putain! Les boules. Madame Carson a dit que je peux pas te dire... Attendez. Madame Carson a dit que je peux pas te dire ce qu'ils vont faire, mais elle a pas dit que je pouvais pas écrire. Je t'en prie, ne les laisse pas me tuer. Je t'aime et je t'aime et j'aime papa. Juliana. Juliana, bah, elle est morte, sans doute. Juliana, elle doit être morte. Hein? C'est pas que j'ai pas envie. C'est pas que je veux qu'elle soit morte. Mais je pense qu'elle est morte. Comment je peux atteindre cet endroit? Putain de clôture. Je pourrais la grimper. Il me suffit de monter sur quelque chose. Alors, il me suffirait de monter sur quelque chose. Bah, ça. Allez, c'est parti. Prie avec moi. Y'a quelque chose derrière moi? Ok, bonjour. Ok, d'accord. Pourquoi j'ai une grosse baisse d'FPS parfois? C'est un truc de fou. Ça devrait pas arriver. Pas du tout, je vais. Je tiens à vous le dire. Là, on peut se cacher, ok. Ah, il vient vers nous, lui. Putain, mais. Bon, tu passes? Je crois qu'elle va pas m'attaquer, elle. Un bandage. Oh là là. Les amis, je crois qu'il me reste plus beaucoup de piles. Là. Pourquoi il y a eu ce gros bruit d'un coup? Alors... Oh mon Dieu, je suis désolé d'avoir offensé le prophète et je déteste ses péchés car je t'ai offensé. Mon Dieu, un Dieu bon et digne de mon amour, je mérite et chéris ta punition et en demande plus jusqu'à ce que je sois capable de ne plus pécher par ta grâce et la grâce du prophète Nott. Ok. En passant, on n'a toujours pas rejoint la chapelle. Hein? Mais à part ça, tout va bien. La chapelle devrait pas être loin. Attends, il nous reste encore 3 piles, bah oui, vu que j'ai pas rechargé encore. La chapelle devrait plus être loin. Y'a quoi par là? Putain!
Arrêtez, arrêtez ça! Ah d'accord, il y a ça en fait quand il n'y a plus beaucoup de batterie. Ok, bon, on va pas aller par là. Par contre, vous savez, tout à l'heure, quand on a vu que on pouvait regarder derrière nous quand on était en train de pousser un truc, eh bah, je pense qu'on va en avoir besoin ici. On va pousser ça là. Eh, je te jure, tu vas me saouler longtemps, toi. Allez. Oh oui, oui, enfin mec, tu portes tes couilles. Tu portes tes couilles, mon gars, c'est bien. Allez, vas-y, putain, on se taille. Oh, moi, je... putain, il porte enfin ses couilles, je l'aime. Oh, my god. Aïe, mon gars. Je te jure, là, je t'aime. My god. Une pilasse dans ma besace. Putain. Je vous jure que il me fait stresser là. Il me fait stresser. Salut toi. Putain, j'ai trop l'impression qu'il faut encore sauter là-haut. Oh là 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 là. Bonjour les hérétiques. Il y a quoi là-bas? Si je suis pas indiscret. Un papier. Ces ossements ont été marqués par le péché de Caïn. Reste dans la terre jusqu'à ce que tu ressuscites. L'ennemi attend dans un sein inconnu. Le Seigneur utilise ma mâchoire comme une massue en os. Paie ma dette pour le péché de ma naissance. L'enfer n'attendra pas. Quelle terre malfaisante, monte la garde près de ton cœur et de ta main. Sois apte à tuer le diable sur la terre du bon Dieu. Ô Sion, ô Sion. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi mon... Ok, d'accord. Mon téléphone qui pète un câble. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, arrête. Ok, il y a rien. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé, ok. Ok, bon. On va à la chapelle. Hein? Ça va faire 20 ans qu'on essaye d'aller dans cette putain de chapelle. Et on y est enfin. J'espère que Lynn sera là parce que sinon... Bon, je me casse, hein. Je trouve une autre femme. Il y en a plein des femmes. Pas besoin de se contenter que d'une seule. Oh là là, c'est quoi ce bruit là encore? My god. Pour le prophète révérend Sullivan Knott de la part de Lord Byron, attesté par Nick Tremblay. Je te remercie des copies supplémentaires de ton évangile. Je les ai offertes aux membres de mon troupeau, dont la cervelle et les yeux leur permettent encore de lire.
mais nous avons besoin de plus de sacrements pour boire lors de la communion, mais également pour réconforter nos douleurs et désinfecter nos plaies. Mon troupeau se plaint que tu as promis plus que tu as donné, et si je peux assez facilement les contrôler par la ferme ténor de ma voix et la lourde main de ma monture, je préfère le chemin de la douceur. Tu es le plus aimé de Dieu et un cadeau sacré pour nous tous. Lerd. Putain, mais ils pensent tous que Not est un mec aimé de Dieu. C'est un truc de fou. Oh là là, ça sonne. Enfin, ça sonne, vous avez compris. Bonjour. Marie. Not. C'est moi. Qui êtes-vous ? C'est moi. Je m'appelle Blake. Étranger. De père. Je suis le père de personne. J'ai juste... Tuez-moi. Pourquoi ? Avec Marie. Il est là-bas. Ah, il est là. Du mal et je dirai tout. Si vous me tuez, il n'aura aucune raison de lui faire du mal. Je vous en prie. Eh ben écoutez les amis, on saura ça au prochain épisode. Vais-je tuer cette personne? En fait d'ailleurs je ne sais même pas comment faire pour tuer cette personne. Ce n'est pas grave. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura quand même pas mal stressé dans cette vidéo. C'est un truc de fou ce jeu, vraiment. Le 1 c'est de la gnognotte comparé à celui-là. Franchement. Les amis, du coup on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'arrête pas de le dire, je le sais. Mais c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, ça me ferait extrêmement plaisir, à commenter aussi, à vous abonner, ça me ferait plaisir également. Et sur ce, moi je vous dis portez-vous bien et à bientôt, allez, tchou tout le monde !